Bonjour à tous. Je vous avais raconté dans une de mes vidéos que je n'aimais pas lire mais que je voulais me mettre à la lecture. Eh bien, c'est chose faite et il faut dire que maintenant je commence à aimer lire des livres. Et si vous n'aimez pas lire, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Et même si vous aimez lire, je vais vous donner plein de conseils pour lire plus rapidement. Alors regardez la vidéo jusqu'au bout, ces conseils peuvent vous être utiles. Alors au départ, je ne lisais pas trop. Mais pendant les dernières vacances, j'avais des devoirs et je devais lire La Peste d'Albert Camus. Alors à vrai dire, ça me saoulait pas mal, j'avais pas envie de le lire, mais j'étais obligé vu que je devais faire une dissertation dessus. Alors je me suis dit, je veux que ça me prenne le moins de temps possible et j'ai regardé des vidéos d'autodiscipline sur la lecture rapide. J'ai utilisé ces techniques et je me suis lancé dans le bouquin. Et là, j'ai commencé à apprécier la lecture. Je me posais tranquillement sur mon canapé et lisais pendant 25 minutes. J'appréciais ces moments de calme et pendant ces 25 minutes, je lisais une trentaine de pages, ce qui est vraiment pas mal pour quelqu'un qui lit si peu. Et je ne me suis pas lassé de ce bouquin. Même si je trouve que c'était pas une lecture absolument passionnante, je me suis tout de même pas ennuyé. Et ça c'est parce que je lisais rapidement et que j'avais pas l'impression de perdre mon temps. J'ai pas mal d'amis qui n'aiment pas la lecture. Mais lire est quelque chose d'absolument fondamental pour s'éduquer et réussir. On peut ne pas aimer la lecture de romans, mais lire des livres d'apprentissage, de la non-fiction est crucial pour apprendre des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école et pouvoir monter des projets. En utilisant la lecture rapide, je me suis mis à apprécier la lecture. Lire un roman n'est maintenant plus un calvaire pour moi. Ce sont des méthodes qui marchent pour tous les livres, des romans à la non-fiction. J'ai lu La Peste d'Albert Camus en bien moins de temps que je prends d'habitude pour lire un livre. Et j'ai commencé Miracle Morning qui est absolument génial, mais je n'utilise pas trop de méthodes de lecture rapide pour celui-ci. Je prends mon temps pour comprendre chaque aspect du livre, mais je devrais utiliser ces techniques. Alors vous allez peut-être penser que la lecture rapide va vous gâcher votre expérience, que ça va gâcher votre lecture et que vous n'allez pas plonger complètement dans le livre et apprécier tous ses aspects. Mais la lecture rapide vous permet tout d'abord de ne pas vous ennuyer. Le temps passe vite, faire des séances de 25 minutes c'est facile, c'est que dalle 25 minutes dans une journée et on peut tous trouver le temps pour lire. Et vous pouvez lire plus de livres vu que vous lisez plus rapidement. Et puis la lecture rapide permet de synthétiser. En lisant rapidement, vous n'oubliez pas le début du livre. Vous avez tous les éléments en tête pour comprendre les tenants et aboutissants du récit ou de la méthode que vous lisez. Je vous le disais, je me suis vraiment mis à apprécier la lecture. J'ai commencé à lire Miracle Morning, mais il faudrait que j'utilise plus les méthodes de lecture rapide pour synthétiser le livre. Mais par exemple, ce livre, je vous le conseille vraiment, c'est un réel plaisir de le lire. Ça fait 300 pages, mais c'est écrit en gros, c'est simple à comprendre et chaque nouvelle page qu'on tourne est une nouvelle révélation sur notre vie. C'est vraiment une lecture extrêmement enrichissante. Alors je vous parle des bienfaits de la lecture rapide, mais comment est-ce que ça marche? Tout d'abord, vous devez vous munir d'un stylo, c'est absolument nécessaire. Vous allez l'utiliser comme repère pour parcourir chaque ligne du texte. Alors non, lire à l'aide de son doigt ou d'un stylo n'est pas fait que pour les enfants, bien au contraire, c'est une excellente méthode puisque l'œil suit automatiquement le mouvement. Grâce à ça, vous allez éviter de revenir en arrière et de lire trois fois la même phrase. Mais attention, vous ne devez pas tout faire comme les enfants. Par exemple, quelque chose de très important, vous ne devez pas subvocaliser. C'est-à-dire que vous ne devez pas lire le texte dans votre tête, l'entendre comme si vous parliez en lisant. Sinon, vous lirez aussi vite que vous parlez et vous serez bien plus lent. C'est souvent ça que je faisais avant et j'étais très lent à la lecture. Un autre conseil, ne lisez pas tout. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut sauter des pages, ça ne sert à rien de faire ça. Ne lisez pas tous les mots un par un. En ne regardant qu'à quelques endroits quand vous lisez une ligne, vous verrez automatiquement tous les mots autour, pas besoin de vous attarder sur chaque petit mot. Encore quelque chose de très important, prenez un surligneur ou un stylo et prenez des notes dans votre livre. N'ayez aucun scrupule à corner les pages, à surligner et à écrire dessus. Ça vous permet de profiter pleinement du contenu du livre en restant attentif et en sélectionnant les infos importantes. Par exemple pour La Peste, je savais que j'avais une dissertation à faire et j'avais le sujet. Donc j'ai lu le livre en ayant ça en tête et j'ai tout de suite sélectionné les parties que je pouvais utiliser comme exemple. Et pour Miracle Morning, je surligne les parties que je trouve les plus intéressantes, les plus inspirantes, celles qui m'apportent le plus de valeur. Alors vous pouvez voir que je surligne pas mal de choses, je trouve ça même plutôt joli, ça apporte un peu de couleur. L'auteur du livre lui-même dit de prendre des notes et laisse même des marges pour ça. En surlignant les parties importantes, vous pourrez plus facilement relire votre livre. Vous n'aurez pas à chercher dans chaque chapitre les choses les plus intéressantes. Et vous mémoriserez encore mieux l'information vu que vous faites déjà un tri en sélectionnant les choses qui vous apportent de la valeur. Un autre point important, c'est de se concentrer sur sa lecture pendant un temps bien choisi. On a souvent la flemme de se lancer dans un bouquin. Mais si vous vous dites que vous n'avez que 20 minutes à y consacrer, 20 minutes c'est pas grand chose. Et ce sera plus simple de vous lancer dans votre lecture si vous vous dites que c'est pendant peu de temps. Gardez un minuteur à côté de vous et essayez de lire un peu plus d'une page par minute. Et pour ça, vous devez être bien concentré, ne vous laissez pas distraire. Même pas par une notification ou un SMS, vous pouvez bien attendre 20 minutes avant d'y répondre. Suivez les lignes avec votre stylo et gardez une vitesse continue. Et si pendant un moment vous ne comprenez plus ce que vous lisez, vous ralentirez automatiquement. Suivez le nombre de pages que vous lisez en 20 minutes.
minutes et essayez de lire le maximum, tout en comprenant ce que vous lisez. Il ne faut pas non plus rusher votre lecture sans lire les mots, sans comprendre le texte. Voilà, la lecture est quelque chose de particulièrement fondamental. On nous fait détester ça à l'école en nous obligeant à lire des vieux classiques peu abordables. Mais c'est très important de lire des livres d'apprentissage, de la non-fiction qui va vous apporter de la valeur. C'est simple de se mettre à la lecture. Avec ces méthodes pour lire rapidement, cela passera plus vite et vous apprécierez vraiment votre lecture. Tout en synthétisant l'information, vu que vous n'oubliez pas le début du livre, ce qui aurait pu arriver si vous aviez pris des semaines et des semaines à le lire. Lire est nécessaire pour réussir. Les livres sont la véritable éducation, celle qu'on ne nous apprend pas à l'école, où les thèmes étudiés sont généraux mais pourtant peu utiles dans notre vie de tous les jours ou notre travail. Vous êtes responsable de votre éducation et la lecture est le premier stade de votre réussite dans tous les domaines de votre vie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que mes conseils vous ont été utiles. C'est vraiment important de lire des livres de non-fiction et je vous conseille de lire Miracle Morning. C'est vraiment une lecture hyper enrichissante qui te change ta vision du monde, qui te motive à te bouger pour réaliser tes projets. N'hésitez pas à aller voir les vidéos d'autodisciples d'Olivier Roland et Antoine BM qui parlent de lecture. Elles sont très intéressantes et elles m'ont aidé à apprendre cette technique de lecture rapide. Voilà, si vous voulez faire découvrir ces méthodes au plus grand nombre, partagez la vidéo. Ça me motive à faire encore plus de contenu et ça participe au développement de la chaîne. Ensemble, on peut réaliser de grands projets. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me donner votre avis et à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Bah voilà, merci beaucoup, à demain, et n'oubliez pas que la lecture, même seulement 10 minutes par jour, peut grandement améliorer votre vie. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao !